Pareil comment la drogue. Nous connaissons de quelle manière la drogue est dans nos sociétés. Pas depuis aujourd'hui, mais depuis combien de temps. Peut affecter beaucoup de familles, de jeunes surtout. Ce combat-là nous permet un combat inlassable. Le gouvernement, moi, mon collègue dans le gouvernement, dans différentes institutions. Et jamais dans nos pays, nous faisons autant de saisies. Une saisie par milliards de roupies qui nous fait et contre un trafiquant. Et moi, vous avez dit, allez, malheureux, quand nous pouvons faire autant, quand nous pouvons mettre nous la vie en danger, quand il y a un officier qui a fait une opération, qui se met la vie en danger, on trouve, et dans certains du monde, dans certaines institutions, je prends une décision qui, au contraire, peut aider ce bon trafiquant-là. Qui peut favoriser ce bon trafiquant-là. Et ce bon décision-là, moi, je vous dis, clairement, je m'appelle ce bon décision-là, ban plus pire qui ban evil prisoner. Et c'est pour ça, je dis, c'est pour ça, je dis à la population, et je dis à madame, si à tout, ban madame, vous connaissez, qui est arrivé quand un membre de la famille il tombe dans la drogue. Ben, c'est qui vivent sa calvaire là. Connaît dans qui l'enfer se rentrer. Connaît qui manière la famille même finit avec sa problème là. Nous permettons un combat sérieux parce qu'il nous est dans la volonté politique pour mener ce combat là. Nous voulons mettre l'ordre dans nos pays. Nous voulons nettoyer. Et du monde peut trouver. Nous avons une action. Du monde peut trouver. Nous dans le camp pour être capable d'amener un combat contre la mafia. Pour empêcher de faire le commerce de la mort. Pour empêcher de tuer nos populations et nos jeunes. Mais chacun prend ses responsabilités. Moi, mon premier ministre, ce pays-là, je prends mes responsabilités et je prends mes responsabilités dans mon propos qui me tenait aussi. Parce qu'il y a certaines vérités à dire.